Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo Halloween. C'est la deuxième fois que je fais cette voix, mais voilà, j'avais mal branché mon micro. Donc avant ce make-up commence, déjà pour ceux qui se demandaient ce que voulait dire le titre, c'est le squelette vivant, la mort dans l'âme. C'est le titre que j'ai choisi de mettre cette année. Donc voilà, j'avais envie d'un peu innover niveau titre. Donc la première chose que je vais faire avant la vidéo, c'est d'avoir appliqué un fond de teint, une poudre, bref, d'avoir fait un peu mon teint pour le rendre un peu plus uniforme. Et j'ai également fait mes sourcils. Je viens prendre un fard pêche comme ça de ma grande palette. Et en fait je viens vraiment faire le creux de mon œil, mais également faire tout le contour de mon œil en traçant des ronds avec mon pinceau. Et en allant vraiment bien dans l'intérieur aussi. C'est important d'aller dans le creux de l'œil. Donc la deuxième chose que je fais, c'est prendre un brun. Et ne faites pas comme moi, ne prenez pas un rouge avec. Un mélange avec le rouge, parce que finalement je me suis rendu compte que ça faisait trop rouge. Et du coup juste mettez le brun. Ensuite, je viens prendre du noir avec un gros pinceau pour vraiment ne pas être précise du tout dans mes gestes. Donc là, je mets sur la paupière mobile et je vais vraiment vers l'intérieur. Voilà, je ne dirais pas vraiment vers l'extérieur, mais je vais vraiment vers l'intérieur. Je vais faire la même chose, mais au ras-de-cil inférieur avec un pinceau carré. Je prends toujours le noir vraiment pour... donner ce côté un peu enfoncé aux yeux et presque, voilà, mort. Et ensuite, bah, je me suis dit que c'était pas assez, du coup j'ai repris mon gros pinceau et en fait, voilà, j'en ai mis vraiment comme ça, beaucoup à l'intérieur des yeux et un peu en dessous, voilà, avec le reste de mon pinceau. Si vous vous demandez, j'ai également mis du fond de teint sur mes lèvres, comme ça ce sera plus facile de la recouvrir par la suite. Et ensuite voilà, j'ai pris un fard noir comme ça avec un pinceau langue de chat. Et voilà, j'en mets vraiment que sur la paupière mobile. Et vous allez voir, après on va estomper pour éviter que ça donne juste cet effet un peu comme ça. Et évidemment j'en mets sur mon nez parce que je suis pas douée. Mais ne vous inquiétez pas, on va également recouvrir le nez. Donc si vous faites ce genre d'erreur là, ce n'est absolument pas grave. Donc ensuite je reviens avec mon pinceau avec un peu de noir et je reviens estomper. Vous allez voir, c'est quand même facile d'estomper des fards à l'eau, même si on se dit ouais c'est une texture crème, ça va être un peu compliqué. Non franchement c'est assez facile d'estompage et voilà. Et ensuite on passe aux lèvres et à la partie la plus intéressante de cette vidéo vu qu'on va faire les dents. Donc là vous allez voir que je commence vraiment par une sorte de croquis, vraiment un truc assez vite fait. J'essaie quand même de bien tracer la dent du premier coup, mais voilà, je fais juste des lignes et je les définis pas vraiment. Et je fais pareil sur le dessus, je vous le mets en accéléré parce que je pense que si vous avez compris le dessous, ce sera pareil pour le dessus. Hop, et j'ouvre bien ma bouche pour vraiment être dans les commissures des lèvres aussi. Ensuite, libre à vous, mais moi j'ai fait aussi des petites dents derrière, j'en ai fait 3 avec un tout petit pinceau que vous pouvez retrouver dans tous les magasins où on peut acheter du maquillage comme ça à l'eau. Voilà, là je fais 3 petites dents. Et j'adore l'effet quand on ouvre les yeux, franchement je trouve ça trop marrant. Avec ce même petit pinceau en fait je vais reprendre toutes les dents une par une et c'est ça qui est vraiment très long et encore l'étape d'après est encore plus longue. Mais en fait on va venir faire des pointes aux dents pour en fait montrer qu'elles viennent quand même de quelque part parce que les dents sont quand même pointues à l'intérieur des gencives. Évidemment je fais ça pour toutes les dents. Franchement moi si vous avez pas envie de la faire, libre à vous, franchement c'est pas une étape très obligatoire et ça enlèvera aucun charme si vous le faites pas. Ensuite j'ai avec un eyeliner et je viens faire l'entre-dent, voilà, pour montrer qu'il y a quand même une délimitation et je viens vraiment prendre du temps au niveau de mes lèvres pour éviter qu'on voit le rosé des lèvres et que ça gâche un peu tout le make-up. Donc là je vais vraiment prendre du temps à faire l'intérieur des lèvres. Bon évidemment ça va pas prendre le côté humide des lèvres, mais voilà, je vais prendre du temps dans la commissure et tout et vous allez voir que ça va pas faire plus noir à l'intérieur. Et là ce que je fais en fait c'est l'entre-deux des dents et franchement n'utilisez pas comme moi un eyeliner qui est en fin de vie parce que sinon ça va vous prendre deux fois plus de temps. Là en fait ce qu'on va faire c'est vraiment
creuser les dents une par une et vraiment faire en sorte qu'il y ait de la profondeur entre chacune d'elles. Dessous, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas la dernière étape pour rendre les dents réalistes. Une fois que j'ai fait toutes les dents, j'ai passé avec un petit pinceau, donc les mêmes que tout à l'heure. Moi j'en avais deux, mais personnellement vous pouvez utiliser le même que vous avez fait pour faire les dents un peu plus pointues ou les petites dents. En fait je viens prendre avec mon fard noir comme tout à l'heure. Je vais passer sur toutes les dents individuellement pour ajouter un peu de la profondeur, bah en fait leur donner un peu vie parce que les dents sont pas réellement totalement blanches. Et voilà, moi je voulais un peu un effet comme ça pour montrer qu'elles étaient assez profondes et qu'elles étaient un peu en volume également. Et j'ai un peu mal fait les choses, je peux également revenir avec le blanc. Et là en fait je vais faire la même chose, sauf que là je vais passer entre les dents. Et vous n'êtes vraiment pas obligé de faire l'étape précédente avec le liner. Vous allez voir qu'en fait on peut exactement avoir le même résultat, mais beaucoup plus fumé, beaucoup moins voyant avec un fard noir. Et bah voilà, ça peut être assez pratique. Là je mets du noir dans mes yeux pour éviter qu'on voit également le rosé de mes yeux. J'en mets également dans la muqueuse supérieure, bah bref j'en mets dans les deux muqueuses. Et je mets du mascara pour éviter qu'on voit mes cils. Ensuite je viens avec le bronzer Oula, voilà, juste creuser mes joues, mais creuser mes joues dans le sens mort. En fait ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fard, je vais vraiment avec un petit pinceau, vraiment pas limiter. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais pas monter vers le bas, je vais pas aller vers le haut comme on aurait fait d'habitude pour donner un effet soleil, mais aller vers le bas pour creuser totalement ma joue et donner un effet mort. Et je vais faire pareil au niveau de mon nez parce que normalement un squelette n'a pas de nez. Bah enfin c'est la première chose qui se détériore chez un squelette. C'est que je vais repasser avec du noir des deux côtés et je vais faire pareil, je vais descendre un peu. Hop, je vais faire pareil au niveau de mon nez avec le restant du pinceau. Donc là, vous voyez que c'est assez voyant, mais en fait, on va estomper le tout pour que ça donne un effet naturel, si on peut dire ça comme ça. Je vais venir avec un pinceau, mais vous allez voir qu'en fait, ça va pas me convenir le pinceau. Et finalement, je vais le faire au doigt, donc vous allez voir juste sur les images suivantes. Hop, voilà. Donc voilà, là je prends mon doigt et je me rends compte que ça marche beaucoup mieux avec le doigt. Donc voilà, j'ai continué avec le doigt des deux côtés. Et ensuite, je vais faire l'avant-dernière étape, c'est le nez. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sorte de croquis pareil au fard noir pour voir un peu comment je vais placer mon nez noir, bref mon creux de nez quoi, on peut dire ça comme ça. Du coup avec un tout petit pinceau je vais venir tracer ce que j'ai fait plus précisément, et moi je veux quelque chose d'assez fumé, du coup après je vais venir estomper le tout. Donc là en fait ça a vraiment une histoire de minutie et je vais vraiment venir refaire mes points au fur et à mesure, les remonter, voir ce que ça me plaît jusqu'à ce que le résultat soit parfait selon moi. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais venir avec mon pinceau, mon fard noir encore une fois, et je vais venir estomper un peu pour éviter que ça donne un effet genre placardé sur la face et que ce soit pas naturel. Et la dernière chose que je vais faire, c'est venir mettre un peu d'highlighter parce que j'avais envie de mettre de l'highlighter, donc voilà. Et donc voilà ce que ça donne, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter si jamais ce résultat vous plaît et que vous aimez ce make-up, et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et j'espère que celle-ci vous a plu. Gros bisous !